Les amis, j'espère que ce petit dessin vous a plu. Dessin de Herobrine dans Minecraft. Alors, ce dessin m'a été conseillé par un abonné, mais on m'a raconté un petit peu l'histoire qu'il y a eu autour d'Herobrine et de l'autre personnage que j'avais fait. Je me souviens même plus c'est quoi, je crois que c'est Entité 303. Voilà, c'est ça, c'est Entité 303. Alors, n'hésitez pas à me raconter des anecdotes comme ça sur les personnages de jeux vidéo que je fais, que je connais pas forcément. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc ça, apparemment, si j'ai bien compris, ce serait un personnage qui a été inventé, donc c'est pas un personnage officiel, ce serait un peu une légende, et c'est un personnage qui a été inventé par un hacker, voilà, une ancienne personne qui travaillait chez Minecraft, enfin bref, je connais pas les détails, mais c'est super sympa, voilà, voilà, donc Herobrine. Voilà, des personnages assez sympas, donc c'est une création. Hein. Alors les couleurs, les couleurs, je les ai plus ici malheureusement, mais il me semble que là, bah, y a tous les tons bleu, bleu, vert, clair que j'utilise comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à regarder quels tons j'utilise dans mes autres vidéos. Je crois qu'il y a œuf de canard, vert pastel, bleu pastel. Ici, bah, ça doit être bleu de Nîmes, violet et aubergine. Ici, bah, c'est les couleurs peau comme d'habitude, ça doit être du blush, du marron fauve, je crois, comment s'appelle cette couleur? Sienne foncée. Et Walnut pour ici. Voilà les amis. Dessin assez sympa de Herobrine. Voilà, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais le dessin vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres dessins dans l'univers de Minecraft, si vous voulez des pixel art, enfin voilà. Dites-moi vraiment ce que vous voulez. Moi je regarde comme ça ensuite par la suite pour mes prochains dessins. Sinon je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.